Je vous la pète un quart d'heure, tout à l'heure. Oui, pour le shot, nous connaissons le tempérament de François Cocu qui est en deuxième position avec Élie Le Goy, attention, monsieur le Coutère. Et bel et bien là, également dans cette belle bagarre, voilà, en une, deux, trois, en quatrième position, Éric Bigot en cinquième position, avec la voiture environ 226. Éric, il avait pris la seconde place ce matin dans la première manche. Et avec le qui avait pris la troisième place avec le numéro 43 pour l'instant, il est en tête de cette seconde manche dans sa série. Et Élie Le Goy va essayer peut-être de revenir au contact. Aurélien Chiron, rien n'est fait. Regardez la belle bagarre qui va s'instaurer là pour la première, la deuxième et la troisième place. Et ensuite, un tout petit peu plus loin, pour la troisième, la cinquième, la sixième place. Absolument rien n'est fait. François Cocu, toujours à l'affût, en tout cas d'une erreur peut-être d'un égoïstique. Et le top 41, je crois qu'il mène un bon rythme devant François Cocu et puis de Louis Dubois qui est en observation. Vincent Lucas, en tout cas, remet dans la ligne droite, remet un peu de distance sur ses différents adversaires. En quatrième position toujours, n'arrive pas à revenir. Hein. Les espaces se resserrent, c'est le drapeau à Demi qui va se dresser. Et donc, Élie Le Goy est parti à la faute. Il est parti à la faute, va-t-il repartir? Si, on va repartir, mais c'est vrai qu'il est rentré dans le trio de tête. Eh bien, c'en est terminé. Avec Goffi qui est parti à la faute, attention, le retour de François Cocu sur les derniers hectomètres, voilà. Non, ça se prend pas maintenant, mais il y a également Vincent Lecoussard pour la troisième place, et puis bon retour dans l'arrière Chiron.